À l'occasion de l'événement d'Halloween sur Fortnite, vous avez la possibilité de débloquer plusieurs récompenses, dont un planeur qui s'appelle le Grand Épouvantail, comme vous pouvez le voir sur le gameplay. Ensuite, vous avez une icône de bannière. Vous avez un écran de chargement. Vous avez deux écrans de chargement au final. Plus une émote. Voilà, plutôt sympathique. Hein, qui s'appelle la marmite maudite. Vous avez un accessoire de dos. Vous avez une émote. Vous avez une pioche. Forme d'étoile. Qui s'appelle le bâton diabolique. Vous avez une traînée de fumée. Un peu dégueu par contre. Et vous avez une basse qui s'appelle la chauve-souris démoniaque. Donc pour débloquer toutes ces récompenses, ce que vous allez devoir faire, c'est de réaliser les défis cauchemars sur Fortnite. Donc ça va, j'ai regardé un peu, ils ne sont pas très compliqués. En plus, tout est bien indiqué, donc ça va. Mais je vais quand même vous faire un petit guide complet dessus, au cas où. Mais en vrai, ça va se faire assez facilement. Alors par contre, cette fois-ci, pour débloquer les récompenses, c'est un peu différent. Parce que c'est pas en réalisant les défis que vous voyez juste ici en dessous, même si ça y contribue quand même, c'est pas en les réalisant que vous allez débloquer les récompenses. Pour débloquer les récompenses cette fois-ci, il va falloir réaliser l'étape qui est juste ici. Donc gagner de l'XP. Voilà, vous pouvez gagner de l'XP dans n'importe quel mode de jeu, mais il faut gagner de l'XP. Donc au début, il va falloir gagner 80 000 XP, je suppose après, il va falloir gagner 160 000. Etc, etc. Ça va augmenter au fur et à mesure. Mais voilà, pour obtenir la première récompense, vous allez devoir débloquer 80 000 XP dans Fortnite. Et bien entendu, les quêtes de Battle Royale Cauchemar qui sont juste en dessous vous rapportent 20 000 XP. Donc quand vous allez les réaliser, ça va aussi comptabiliser pour le défi qui est juste au-dessus. Donc forcément, les défis de Cauchemar semaine 1 vous aideront aussi à gagner de l'XP qui vous permettront de débloquer les récompenses.